Shalom, peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle relation par la grâce de notre Seigneur. Grossir n'est pas de Dieu. Pourquoi on grossit? Les excès de table, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, pas d'excès de table. Exemple, si on mange des biscottes ou cracottes, c'est un, deux ou trois, ça suffit, mais pas besoin de plus. Et pour le midi et le soir, pas besoin de remplir l'assiette, c'est péché. Ce monde a trop habitué le corps, pardon, à manger, donc le corps veut toujours manger. Mais plus on mange et plus l'estomac forme de la graisse. Car oui, tout ce que l'estomac ne digère pas, ça peut former de la graisse. Car l'estomac n'a pas été fait pour manger autant. On met trop d'alimentation dans l'estomac. C'est pour ça qu'on grossit. L'Éternel ne veut pas d'excès de table. Être gros, c'est pas bon pour la santé. Dieu ne veut pas que ses enfants soient gros. On doit être sain, avoir un corps sain. Être gros, ça souille le corps avec des problèmes de santé. Le Seigneur nous aime. Il veut qu'on revienne à la création. Sarah était fine et Abraham aussi. Car à l'époque, il faisait attention à ce qu'il mangeait et il marchait beaucoup. Il n'y avait pas le confort comme il y a aujourd'hui. Le surpoids est très mauvais pour la santé et très mauvais pour le cœur, même pour le genou. Ceux qui ont des problèmes de surpoids, ils ont du mal à rester debout car ils sont trop lourds pour eux-mêmes. Satan détruit la création de Dieu par tous les moyens. La création de Dieu doit revenir au végétal. Plus de McDo, plus de KFC, plus de Quick. Et toutes ces choses souillées pour le corps. Les aliments souillés font grossir. Les problèmes de peau, ça vient de la nourriture malsaine. Dieu a créé de la nourriture saine et bonne pour la santé et pour la peau. Et pour notre poids. Le corps des hommes n'a pas l'habitude de bien manger équilibré. Revenez au végétal pour avoir un corps sain et mince. Que le Seigneur puisse vous bénir à travers cette révélation. Que toute la gloire soit à Rabbi. Amen.